Bonsoir les amis, bonsoir les Gilets jaunes, bonsoir tout le monde, que vous soyez en France ou ailleurs, le peuple, peu importe euh, son origine, sa destination, sa position sociale, le peuple est gilet jaune et le peuple est fier d'être gilet jaune. Euh, alors... Il y a beaucoup d'infos que j'aimerais euh, vous donner, donc je vais traverser très très vite, je vais être très très bref. On va démarrer tout de suite. Alors, euh, tout d'abord, je me suis mis euh, devant le 20h tout à l'heure euh, de France 2. Acte 22, vous avez vu toutes et tous des images, des vidéos d'un peu partout, particulièrement de Toulouse. Euh, non, ils ont préféré euh, passer euh, les premières minutes euh, à faire une analyse complète euh, des, du racisme dans les stades de foot. Alors, je vous remontre la publication que j'ai faite euh, ce matin. Euh, regardez. Je les ai vus venir. Donc je les ai vus venir, j'avais fait cette publication en disant après l'attentat, le boxing, la, le gaz qui a fait exploser la boulangerie, les caillassages, de voitures de police, les faux caillassages, les différents antisémitismes, que ce soit sur les murs, les boîtes aux lettres, les RERC, etc. Les incendies, que ce soit le chalet ou de euh, euh, était, euh, il y avait un, aussi un appartement, deux appartements qui ont brûlé euh, euh, en région parisienne. L'islamophobie, bien entendu, euh, particulièrement le faux attentat, ou en tout cas l'attentat sous faux drapeau euh, euh, en Nouvelle-Zélande euh, contre donc, les, les lieux de culte musulmans. Euh, les menaces euh, pour utiliser l'armée. La justice, euh, si jamais vous allez manifester, l'homophobie avec euh, l'affaire donc de cette madame, euh, elle porte bien son nom, hein, Le Guay, Madame Le Guay qui défend donc la, la, le lobby LGBT, le lobby gouvernemental qui euh, qui va se frotter donc à des CRS pour ensuite tomber. Vous connaissez la suite, elle n'est pas encore finie la suite. Et bien là, nous avons donc le racisme, le racisme dans les stades. Euh, C'est un match qui s'est déroulé hier. Hein. Je, je le rappelle, ce match s'est déroulé hier. Euh, ce soir, aux 20h, bah, c'était euh, le sujet principal de France 2. Hein. Je ne peux pas regarder toutes les chaînes en même temps, mais France 2 a fait une analyse complète. Hein. On a eu droit euh, euh, au racisme dans les stades. En Italie, en Angleterre, voilà, c'était la totale. Donc ensuite, j'aimerais vous montrer donc euh, ce qu'il ne faut surtout pas faire. On va commencer par ça. Euh, on va regarder euh, des courtes vidéos, donc voilà une courte vidéo d'une interpellation à Toulouse euh, d'un homme qui euh, aurait proféré, bon bah vous vous jugerez par vous-même, attendez hein, l'oreille au début, aurait proféré ta femme se fait sauter par un gilet jaune. Donc voilà, on va voir. Plusieurs vidéos de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors est-ce qu'il faut en plus que je mette un bandeau S'il le faut, je vais le mettre. Voilà, je l'ai pas prévu, je vais mettre un bandeau pour que ça soit clair. Après, je vous montrerai ce qu'il faudrait faire. Voilà, avec le bandeau, ça ira mieux. Allez, on regarde.

Voilà, c'est clair et net, euh, ça ne sert strictement à rien. C'est même, je vais dire, ça, ça porte préjudice au mouvement et aux gilets jaunes. Hein. Je vois pas en quoi ça peut faire avancer, même pas la cause des gilets jaunes, n'importe hein. quelle cause, d'aller comme ça euh, parler aux, aux forces de l'ordre, au CRS, peu importe. Mais mettez des gilets jaunes, mais allez ailleurs. N'allez pas les chercher. N'allez pas les chercher. Tiens, on va regarder. Euh, donc cette, euh, là, c'est à Paris. Donc c'est cette brigade qu'ils ont nommée la Brave Brigade de répression d'action violente. Donc qui, qui ont procédé à plusieurs interpellations. On va regarder une interpellation. Donc euh, Place de la République. Euh... Il faut vous laisser interpeller, et là c'est ce qui c'est ce qui ressort de cette vidéo. On voit une jeune femme, bon bah voilà, elle se laisse interpeller, ça dure pas longtemps. Euh... Et allez, on casse. Voilà, tout simplement et de toute façon, il ne faut pas aller, encore une fois, dans les endroits où il y a les organisations, les places de la République et compagnie. Il ne faut pas y aller. Euh, là, on va regarder pareil, hein, on va regarder euh, interpellation, une interpellation à Toulouse. Donc là, pareil, hein, il faut, euh, là, le jeune homme s'est opposé à son interpellation, ce qui a, lui a valu d'être tiré n'importe comment par, son, par ses vêtements. On regarde l'interpellation. Voilà. Ensuite, euh, toujours à Toulouse, euh, donc voilà, c'est euh, là. Il y a eu une interpellation euh, musclée cette fois-ci par le dard, le dard, le dard euh, détachement d'action rapide et de dissuasion. Alors, nous avons plusieurs, et là, euh, du coup, voilà, il faut pas s'opposer à son interpellation. Euh, et en plus, ça a créé une mini insurrection, une mini rébellion, une mini émeute. Si jamais, dans la foulée, pensez-y, si jamais, dans la foulée, il y a quelqu'un, imaginant, qui perd un œil ou qui est gravement blessé parce qu'il a cru pouvoir ou devoir vous secourir, euh, bah c'est pour vous après, hein, c'est pour vous. Hein, parce que on remontera à l'origine et on verra que vous êtes rebellé. Que vous êtes, euh, êtes opposé à votre interpellation. Pensez-y, hein, il peut y avoir de graves conséquences. Donc là, on voit quelqu'un qui ne se laisse pas interpeller, et on voit les, les, les forces de l'ordre dans une position difficile, ils s'en sortent, mais ces situations-là, elles peuvent dégénérer. Ces situations-là peuvent aller très très loin. Ça ne sert strictement à rien. Ils vous disent de vous en aller vous vous en allez c'est pas sorcier et n'allez pas dans les endroits où ils sont n'allez pas essayer de le, leur faire la morale ou les convaincre de nous rejoindre j'en ai, ai assez parlé vous vous n'aidez pas le mouvement quand vous faites ça vous n'aidez pas le mouvement allez on regarde la vidéo ceci ça sert strictement à rien sinon à leur donner du grain à moudre pour décrédibiliser la cause et ils sont dans leur droit ils ont le droit de vous donner des ordres de soit pour vous interpeller soit pour vous dire de reculer ou d'aller sur le trottoir ou d'aller ils ont le droit c'est ça vous pouvez, vous pouvez pas lutter contre ça. Euh... Alors on va regarder ce qu'il faut faire maintenant. On va faire simple, on va regarder une vidéo qui dure presque 3 minutes. Je vais vous montrer euh, donc le, le facebook euh, de là où cette vidéo est présente pour que vous alliez consulter d'autres de leurs vidéos. Ils prennent de bonnes initiatives. Alors, encore une fois, je vous rappelle que je suis contre le, le front de gauche, euh, contre Mélenchon, contre le, les gauchistes, contre la, la, la peine, contre tous ces gens là, hein, parce que c'est. Ils sont pires que Macron. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que voilà. Donc euh, le Facebook s'appelle Sofiane FDG. J'espère que FDG ne veut pas dire front de gauche. En tout état de cause, voilà, moi j'ai dit un mot là-dessus. Donc je suis contre le front de gauche. Euh, on va regarder euh, la vidéo qu'ils ont fait. Bravo à eux. Impôts, McDo. Alors, voilà, leur vidéo parle d'elle-même. Michael, McDo, pètez un pot, McDo, McDo, pètez un pot, McDo, McDo, pètez les... un pot, McDo, pètez un pot, six cents millions de les ans. un un pot, un pot.

elle va est taqui. Taqui. Il il a est le nous. le qui l'a construit. Merde. Ouais. Merde, ouais. 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 oh, ouais. Moi j'ai trouvé un C'est bon. Ah. C'est bon. bon, Alex. C'est bon, c'est bon. bon. Et le ah. Ah. est est acquis ah. ah. Merci, Merci Vanessa. Et le ah. est nous. est Anti-capitaliste, 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 anti

Voilà, tout simplement magnifique. Déjà parce qu'ils ne cachent pas leur visage, hein, ça sert à rien d'aller faire des actions, de se grimer, ça sert strictement à rien, il faut assumer, hein, on est au stade où ça y est, maintenant il faut, il faut, il faut se montrer. Hein. Donc ils ne cachent pas leur visage, ils ne dégradent rien, ils ne gênent pas la clientèle, ils ne gênent pas la vente. Je dirais, si je peux donner un, juste un conseil pour ne pas donner débit à l'adversaire, les amis, donc les amis de Sofiane, euh, donc c'était un McDo à Maubeuge. Hein. Euh, tout simplement, la prochaine fois, pas tout le monde, mais prenez euh, 3-4 cafés. Hein. C'est vous avez justement là, on va rentrer dans le fait qu'un groupe d'amis rentre dans un McDo, peu importe le lieu. Vous achetez euh, 3-4 cafés, pas, pas 25, et vous avez le droit de rentrer avec des amis, habillés euh, en, en noir, orange, jaune, comme vous voulez, pour acquérir 3 cafés. Et les amis peuvent vous accompagner. Donc là, je vous parle de tout ce qui est juridique en France. Vous avez le droit d'entrer dans un lieu, dans, même dans plusieurs lieux, pour faire un achat et d'être accompagné d'amis. Alors, si, si vous êtes 25, n'achetez pas un café, achetez-en 3-4. Voilà, comme ça, ça sera les amis de, 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 de chacun des, des 3-4. Bon, mais c'est parfait, mais c'est juste parfait. Voilà, c'est juste parfait ce que vous avez fait et vous donnez l'exemple. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'aller à ces endroits-là. Euh, Là, ils ont annoncé que, comme d'habitude, Toulouse a été choisie. Il faut pas aller dans ces endroits-là. L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'Élysée, Place de la République. Vous perdez votre temps. Et ça ne sert strictement à rien. Vous risquez l'interpellation. Et quand on veut vous interpeller, certains... Vous pensez vraiment pouvoir vous y opposer ou alors être secouru par les autres. Mais, mais réfléchissez, réfléchissez deux secondes, à ce que vous faites, c'est des conneries. Hein. Bon, alors passons, voilà, donc acte 22, bravo, magnifique acte 22. Euh, là, je ne peux pas vous passer toutes les vidéos, vous comprenez bien, mais c'était un très bel acte 22. Mis à part bien entendu ce que les merdias vont diffuser, c'est-à-dire les quelques interpellations qui se passent mal, la voiture brûlée à toulouse etc etc et les pétards qui ont été lancés contre les forces de l'ordre. la France n'est pas euh, ces quartiers- là euh, orchestrés de Toulouse, la France n'est pas les champs-élysées la France n'est pas place de la République, hein. la France c'est des images comme je viens de vous montrer et vous en connaissez certainement d'autres si vous vous-même vous, -même, vous y étiez pas présent. Bon. Alors alors je vais vous parler maintenant tout à fait d'autre chose, il y a plein d'infos que je voudrais vous donner mais de façon très brève. Euh donc, vous avez vu que j'ai ouvert, ouvert le live. Voilà, le verre gratuit Burger King. Je vais arrêter de les signaler parce que ça leur fait de la pub malgré moi. Donc, j'ai ouvert le live euh, en vous montrant cette euh, sonde israélienne. Qui finalement n'a pas réussi sa mission parce qu'ils ont été malins je vous avais diffusé un selfie euh, pris à partir de la sonde à 22 km de la lune bon ben ils ont été malins ils ont diffusé le selfie euh, mais au final ils n'ont pas réussi la mission ils ont pas atterri la n'a pas été euh, réussi bon voilà c'est comme d'habitude hein. il aurait fallu donner l'info comme quoi lunissage a été raté et puis après diffuser euh, les photos de la lune euh, de loin voilà la lune à 22 km on l'a eu euh... voilà c'est cette photo que je vous avais euh, diffusée c'est cette photo là là donc ils, ils ont vu la lune de 22 km, et puis après, ça s'est mal passé. La sonde s'appelle Bereshit. Bereshit. Voilà. Bon. On voilà, va regarder. Je crois que j'ai un article. Voilà, j'ai un article. Hop. Donc Israël a manqué l'alunissage de sa première sonde. Et donc l'État hébreu voulait devenir le quatrième pays à faire allunir un appareil. Mais la sonde qui a été développée par une organisation privée s'est écrasée en raison d'une panne de son moteur survenue à la dernière minute. La dernière minute, ça veut dire juste à l'atterrissage, comme par hasard. Euh, alors, c'est important euh, le, ce terme-là, développé par une organisation privée. Pourquoi Parce que du coup, ça me permet de parler, mais très brièvement, d'un d'un autre manipulateur, d'un grand manipulateur. Hein, c'est euh, Monsieur Elon Musk. Musk, Elon Musk. Parce que euh, l'organisation privée, c'est SpaceX de Elon Musk qui est considéré comme bien entendu un dieu vivant, comme Steve Jobs, comme Bill Gates, comme plein d'autres. Euh, parce que il n'a eu que des succès. Hein. C'est lui qui avait créé PayPal. Ensuite, avec l'argent de PayPal, euh, il a racheté pour euh, quelques dollars. Euh, plein d'usines de, de, de fabrication d'automobiles aux états unis suite à la crise des subprimes et ce qui lui a permis de justement créer cette marque Tesla qui marche super bien c'est euh, sans, sans conteste la meilleure bagnole au monde hein. elle, coûte, euh, elle coûte cher d'ailleurs hein. euh, mais bon là c'est je vais pas en parler là mais c'est vraiment une Très très bonne voiture, mais une fois que vous, que vous l'achetez, vous êtes tranquille après. Pilotage automatique, euh, recharge gratos euh, dans les bornes de Tesla, euh, recharge en 30 minutes pour des, des autonomies phénoménales de, de plus de 500 km. Voilà, c'est juste magnifique. Et alors, lancé, euh, toujours sur sa même lancée, bah, il a créé SpaceX et vous avez dû en entendre parler de SpaceX, c'est euh, ces, ces fameuses fusées qui arrivent à mieux que le, toutes les autres euh, euh, entreprises publiques historiques, que ce soit la NASA, ou Ariane ou peu importe. SpaceX a réussi l'exploit de lancer des fusées, de ne pas perdre euh, tous les éléments, euh, parce que les autres laissent perdre les éléments qui se crachent quand on nous dit dans l'océan, euh, qui brûle euh, au contact donc de l'atmosphère. La, euh, SpaceX, on nous dit qu'il a réussi. Et à Plusieurs reprises à euh, faire revenir ces fusées euh, complètes et à les faire atterrir pile poil euh, à l'endroit, un endroit précis en tout cas, qui est souvent le, 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 la piste de décollage, l'endroit de départ. Voilà, bon, ben bah, voilà, ces space -fix, euh, finalement, ils ne sont pas parfaits. Et puis, euh, l'histoire de Elon Musk, elle est tellement. Euh, extraordinaire, on va dire, du type d'histoire extraordinaire comme Mark Zuckerberg, hein, que euh, voilà, il faut, faut commencer à douter du fait que cet homme a tout fait tout seul. Voilà. On sait qu'il y a des grands succès dans le monde, Google, Facebook, plein d'autres succès, qui sont l'œuvre de, de cette euh, euh, tentacule planétaire qui s'appelle franc-maçonnerie. Après, il bon, bah, y, y a des pantins qui sont pour la plupart du temps pilotés hein, pour justement que vous puissiez toute votre vie rêver de devenir comme eux et que justement vous, vous jouez le jeu de l'esclavage. Et un, un beau jour, vous vous rendez compte que vous n'y arriverez jamais. Voilà, tout simplement. Euh, de la même manière qu'on vous présente quelqu'un de piloté qui est au sommet de l'état qui s'appelle Emmanuel Macron c'est pour faire croire que c'est possible ou quelqu'un comme Barack Obama voilà Alors je vais passer à une autre info je vous rappelle les amis que si ça coupe le live donc euh, sur Facebook je le mets juste après à la fin de ce direct sur mon profil youtube sans il n'y aura pas de coupure parce que je l'enregistre en même temps voilà. euh... donc euh, cette information très rapidement euh, c'était c'était donc au soudan vous avez suivi hier quand je vous ai donné l'information donc euh par rapport à Omar el-Bechir. Je vais vous mettre une image. Voilà. On va joindre l'image à la parole. Et donc, euh, au lendemain de la destitution d'Omar el-Bechir, on parle bien du Soudan. Eh bien, euh, sachez que le chef du Conseil militaire de transition, celui... Euh, qui, euh, qui a pris le pouvoir, il a renoncé, hein, il a renoncé vendredi soir, et il a nommé un autre militaire pour lui succéder. Bon, vous, vous sortez Paul, vous, vous, vous mettez Jacques, vous enlevez euh, euh, Chirac, vous mettez Sarkozy, puis ensuite vous mettez Hollande, puis après vous mettez Macron, vous voyez bien, le, 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 la pieuvre reste la même. Et bon, là-bas c'est pareil, hein. On, on a changé Omar al béchir par un militaire, puis ensuite ce militaire vient de renoncer pour nommer un autre militaire. Le problème, c'est qu'effectivement, la, la décision a été accueillie par des scènes de joie des manifestants donc à Khartoum, à Khartoum. En Algérie, c'est pareil, il hein, faut se méfier, les amis. Hein. Ce jeu-là, des... Euh, des chaises musicales hein, vous, ils, vous pouvez, ils peuvent changer mille fois hein, de d'agents ou de ou de, de, de comment dire de candidats pilotés bon ça reviendra au même hein. faut pas tout de suite se réjouir d'ailleurs j'invite les amis algériens parce que on voit tiens je vais mettre les lunettes anti lumière bleue J'invite les amis algériens, je vois beaucoup de vidéos passer, donc euh, de, de, de scènes de, de, de joie, de fêtes, de, de chants comme ça en communion. Faites attention, les amis, faites attention parce que on sait que c'est les méthodes de la CIA de créer de belles images comme ça pour ensuite en faire ce qu'ils veulent, les diffuser pour avoir le contrôle sur la situation. Vous n'avez pas besoin d'en faire de trop et de vous laisser filmer par des touristes. Là, je vous montrerai peut-être une vidéo une autre fois. Là, pas, je l'ai pas prévu, mais on voit qu'il y a des touristes comme ça qui filment pour ensuite diffuser. Vous en avez rien à foutre. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en scène comme ça, de vous exhiber, de faire des photos à la ou des vidéos à la Hollywood comme on vous a toujours biberonné. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Continuez votre révolution comme vous l'avez toujours fait. Scandez vos messages. Euh, et puis euh, vous mettre comme ça en petit groupes pour danser, chanter, vous faire filmer. Euh, euh, comme vous êtes là, en, comme au Maghreb, on a l'habitude de faire malheureusement dès qu'il y a des touristes. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Une révolution, c'est pas non plus, euh, encore une fois, euh, un film à l'eau de rose. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des danses euh, plus qu'il n'en faut. Hein. Euh, regardez cette information incroyable les amis. Je, moi je ne l'ai pas vu hein, dans les merdiens. Et pour cause. Donc euh, comment la France a effacé la dette fiscale d'un industriel indien, pardon, associé de Dassault. Dassault qui est décédé récemment mais qui euh, se faisait élire en achetant euh, les électeurs euh, avec ses, largeuses, ses largesses financières. Euh, donc voilà ce qu'on apprend 140 millions d'euros effacés, donc pour euh, Anil Ambani, un proche du premier ministre euh, maudit. Parce que, bon ben voilà, ça, ça, il faut appeler un chat un chat, ça c'est ce qu'on appelle les rétro hein, comme il y en a eu déjà à Karachi, hein. vous vous rappelez de l'affaire Karachi dans laquelle baignent plusieurs protagonistes, dans laquelle il y a eu plusieurs morts, ben là voilà, on, on apprend que Sherpa a porté plainte. pour des soupçons de corruption, de trafic d'influence. Euh, voilà, c'est insupportable, c'est insupportable. Euh, euh, la France, euh, donc, annule un redressement fiscal d'un montant global de 143 millions d'euros, 700 000 euros. Incroyable. Voilà comment on fait des retrocommissions, parce qu'on a vendu euh, des rafales. Toujours les mêmes méthodes. Toujours les mêmes méthodes. en le grand débat On va vous expliquer qu'il n'y a pas d'argent euh, alors très rapidement euh, vous irez voir de vous même hein, je vous propose d'aller si vous voulez voir sur youtube euh, c'est insensé mais bon c'est quand même nous vivons quand même en france c'est quand même des merdias français là pour le coup franco-allemand euh, Arte qui a fait, qui fait la promotion de la coparentalité. Alors, la coparentalité selon Arte, selon la France, c'est euh, là on nous a, on nous a présenté un, une famille donc recomposée. Euh, on, a, on nous a présenté euh, deux lesbiennes, euh, deux gays et un enfant on se demande où est-ce que euh, jusqu'où ça va aller euh, voilà je vous mets je vous montre donc la vidéo que vous pouvez voir sur youtube si vous voulez voir de vos propres yeux donc la vidéo elle est là et donc euh, on on nous dit qu'elle est disponible jusqu'au 3 mai jusqu'au 3 mai 2019 donc voilà faites vite si vous voulez la voir cette vidéo voilà vous pouvez aller la voir donc bon bah le c'est arte hein, la chaîne euh YouTube c'est Arte. Et le titre c'est Coparentalité Co un enfant, quatre parents. Youpi Bon, il n'y a pas le mot youpi, mais vous trouverez la vidéo si vous cherchez. Euh, ensuite. Tiens, en parlant euh, d'Algérie, vous avez dû voir cette information qui circule donc sur euh, un attentat déjoué euh, qui, d'après les autorités algériennes, aurait été euh, fomenté par des euh, terroristes israéliens, pour faire simple, par le Mossad, les services secrets israéliens. Euh, donc, il a été mis en échec le, le 12 avril hier par la police algérienne en coordination avec euh, des éléments de l'armée nationale populaire. Ils ont démantelé un groupe terroriste lourdement armé. La Sûreté nationale a également affirmé. Avoir identifié et arrêté des étrangers venus en Algérie pour détourner le mouvement populaire pacifique et le pousser à la violence. Voilà, j'ai éternué, les amis. Euh, toujours d'après euh, la DGSN, ces ressortissants étrangers tentaient d'inciter euh, les jeunes Algériens. Algériens à recourir à des méthodes radicales pour exprimer leurs revendications. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça hein, Avec les gilets jaunes en France? Voilà. Bravo aux Algériens, bravo euh, quand il y a ce type de d'arrestation de, et d'enquête de, de, réussie aux autorités. Euh, qui ont permis de le faire hein, la direction générale de la sûreté nationale on nous dit avec des éléments de l'armée euh, nationale populaire bravo 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 ensuite euh, euh, ah bah tiens on va reparler euh... On va reparler de la France et malheureusement il n'y a pas, on trouve pas beaucoup euh, beaucoup de bien hein. euh, Alors tout d'abord, je vous mets une petite photo. Voilà. Ben, sachez que en Syrie, hein, là c'est en Syrie. Des cadres français importants de l'État islamique, Daesh, ISIS, essentiellement la filière d'Artiga, auraient participé à la mutinerie massive qui a impliqué 200 djihadistes pour s'évader de la prison de Derik au nord de la Syrie. Si vous avez loupé un mot de ce que j'ai dit, je vous rappelle que ces cadres importants, essentiellement, donc, de ces cadres importants de l'État islamique, euh, donc, impliqués dans euh, la mutinerie, sont français. Voilà. Bravo! Euh Les services secrets français, bravo. L'armée française qui est sur le terrain, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis surtout, bravo ceux qui les commanditent. Euh, ensuite. Euh, tenez le Burundi et oui hein, l'actualité c'est pas uniquement euh, la France et les petites histoires euh, franco-françaises hein. le monde est grand hein, les amis hein. donc euh, pourquoi je vous mets le Burundi et eh bien sachez que euh, des troupes congolaises ont tué 36 rebelles au Burundi. Euh, voilà, c'est un petit pays le Burundi. Là, vous voyez le petit pays euh, tristement célèbre le Rwanda. Et donc on apprend, regardez, le Congo, il est là. Le Congo. Donc ces euh, troupes, sont entrées au Burundi, en en zigouillé euh, 36 personnes qu'ils ont déclaré euh, rebelles et euh, donc par la même occasion terroristes comme euh, le, les euh, la france et, et les alliés euh, occidentaux leur ont appris à faire euh, depuis le temps qu'ils pratiquent les mêmes méthodes Ensuite, alors je ne sais pas si je suis encore connecté, mais je vous rappelle que même quand ça coupe, les amis, la vidéo sans bug complète sera sûrement YouTube. Donc, en parlant de ça, voilà, euh, voilà Macron euh, qui reçoit... Hein, Je vais vous trouver une vidéo. Donc Macron qui reçoit euh, ce qu'on ce qu peut appeler le criminel de Kiev, hein, Porochenko, euh, qui fait un massacre donc euh, sur sa propre population dans le Donbass. Euh, il y a ça, je vous dis des indiscrétions hein, qui, ne, qui ne sortiront pas dans les merdias. Il y a des symptômes extrêmement bizarres et des, de la mortalité inexpliquée dans le basse. Il y a visiblement utilisation d'armes nouvelles, je vous en ai parlé un peu, du type euh, les armes à énergie euh, dirigée. Hein, C'est des armes qui ne laissent pas de traces, mais il y a tout qui, qui déraille dans votre organisme. Vous, vous mourrez, euh, vous mourrez euh, dans la souffrance de plusieurs maladies. Alors on va regarder euh, une courte euh, vidéo de Macron qui reçoit fièrement donc, ce boucher de Kiev. Yeah, thank you. I think good. Once again, I'm very happy I know you are interested. Voilà, mais euh, euh, en d'autres circonstances, on aurait euh, ouvert le journal télé euh, de la télévision publique, euh, France 2, le 20h, avec d'abord euh, l'information principale, c'est-à-dire l'acte 22 des Gilets jaunes, puis ensuite en parlant, en montrant ce que fait, euh, ce que a fait notre euh, président Macron, hein, cette cette rencontre donc elle a eu lieu hier non c'est pas important on dirait qu'on veut cacher certaines certaines réceptions certaines rencontres euh, tiens dans le type euh, manipulateur qui a réussi à se faire élire euh, se faire passer euh, donc pour nationaliste euh, ce que pourrait réussir à faire euh, Marine peine si on ne fait pas barrage, je vous expliquais la seule manière, c'est de voter la mort dans l'âme pour la République en marche, qui est la République en panne en réalité. Euh, bah, ce manipulateur, donc Bolsonaro, qui a réussi à se faire élire au Brésil, qui en réalité n'est pas nationaliste, mais ce qu'on peut appeler, c'est un nouveau genre. Euh, il est nationaliste, euh, c'est-à-dire national sioniste. Euh, il n'est pas le seul. Hein. Vous avez Salvini euh, en Italie, hein, c'est la même. Hein. Euh, donc là, bon, bah, il nous sort sa morale. Euh, on avait vraiment besoin de lui euh, pour se rappeler euh, euh, de l'Holocauste. Et je vous rappelle que l'une de ses décisions, c'est de mettre de l'huile sur le feu en reconnaissant Jérusalem avec les États-Unis comme étant capitale d'Israël et non capitale euh, commune partagée entre Israël et euh, la Palestine. Euh, effectivement, euh, cet événement de reconnaissance ou pas euh, euh, de Jérusalem, capitale d'Israël, va euh, former les deux qui sont déjà formés, hein, mais les deux grands blocs qui vont s'affronter donc pour la guerre mondiale qui a lieu actuellement secrètement, mais qui après euh, euh, deviendra euh, frontal et, et planétaire et total. Voilà, c'est les grandes phrases comme d'habitude, hein, puis c'est ces gens-là qui sortent des phrases comme ça, comme Emmanuel comme Manuel Valls et plein d'autres, même Emmanuel Macron, il a beaucoup joué là-dessus hein, pour... Pour se faire élire s'ils vont se comporter de la pire manière avec n'importe quel humain hein, juif ou pas juif donc il dit euh, nous pouvons pardonner mais nous ne pouvons pas oublier euh, cette citation est la mienne ceux qui oublient leur passé sont condamnés à ne pas avoir d'avenir je veux dire déjà de quel droit il peut pardonner euh, moi je si j'étais moi-même victime, je, je, je l'attaquerais pour ça. De quel droit, au nom de quoi il peut pardonner Bon. Habituel, un jeu avec euh, la Shoah, l'Holocauste, c'est vraiment minable. Euh... Voilà. <laughs> voilà, les amis, euh, je vais vous saluer. Et puis on va se quitter, ça fait, ça fait 53 minutes, une heure de vidéo. Euh, allez, bonsoir et bonne nuit par la même occasion. Si jamais je vois trois fois la même question avec le même thème, j'essaierai d'y répondre. Vous faites précéder ça d'un cul. Q comme question. Euh, C'est de le faire tous les soirs si vous voulez. Là, pour ce soir, je pense que ce ne sera pas le cas. Euh, bonsoir et bonne nuit à Mohamed, Ginette, Magali, euh, Riyad, Riyad, tu es nouveau, Riyad, je ne te connais pas. Eh bien, bienvenue, Francis, CH, euh, AV César, euh, Olga, euh, je crois que je ne te connais pas non plus. Bienvenue. Diloulouloo, toujours présent ou présente. Euh, Poussard, Virginie, bonsoir. Je t'ai déjà vu. Shadia, tu nous as mis la pétition donc, pour, euh, en faveur de Assange. Euh, bonsoir Shadia. Philippe Janssen, bonsoir cher ami. Claudia. Zakalski, bonsoir. Tu es toujours présente. Roméo Placadio, je ne te connais pas. Bienvenue, Roméo. Euh, Dominique Bonnet, euh, bienvenue à toi aussi. Ouloulouloulou, <laughs> bonsoir. Euh, euh, Philippe Janssen, euh, d'assaut juif ou pas, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas, ce n'est vraiment pas, voilà, c'est plutôt contre-productif hein, d'aller chercher ces détails-là. C'est contre-productif. Euh, Liège Soval, euh, bonsoir cher ami. Euh, alors Joachim, euh, je ne t'ai pas vu. Tiens Joachim jeronimo toujours présent. Bonsoir. Il n'y a pas de souci. Tu pas à être désolé pour le retard. Euh, José, José, Duc, euh, bonsoir, cher ami. Et bah, Ginette, Ginette, euh, euh, bonne nuit. Euh, voilà, tu as raison, parce qu'on va se quitter. Euh, bonne nuit donc à tout le monde, à celles et ceux que j'ai salués, ainsi que tous les autres que je n'ai pas salués. Euh, je vous. Rappelle que demain, ça ne s'arrête pas. Comme tous les jours, euh, mon initiative, c'est de mettre votre gilet jaune à 13h pendant une minute. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous contaminerez les autres par le bien. Euh, vous les encouragerez à faire de même, les amis. Voilà, faites-le, faites-le, faites je vous en supplie, faites-le. Faites-le dans une rame de métro, faites-le dans un McDo, faites-le dans un centre. Bah, demain, c'est dimanche, mais il euh, y a. Il y a plusieurs magasins qui restent ouverts. Faites-le dans un centre commercial. Faites-le, c'est important. Prenez, prenez votre courage à demain et faites-le. Euh, voilà, on se retrouve demain soir. Comme d'habitude les amis, parce que vous le savez, il en va de ma sécurité. Bonne nuit les amis.